Eh bien bonjour YouTube, bienvenue sur cette nouvelle run, une run plus classique puisqu'on part sur un personnage qu'on n'a jamais fait, Tented Magdalene. Voilà, je ne l'ai jamais joué, je l'ai à peine entrevu sur des streams vidéo, donc je sais même pas trop ce qu'elle est censée faire. Je crois que c'est un bon gros tank, mais qu'elle perd sa vie petit à petit. Quelque chose dans ce goût-là, et qu'elle retombe tout le temps à deux cœurs. Enfin bon, on va voir. Hein. Nous avons Lethal Hugs, Item Heal More et Yum Heart. On teste. Alors, nous avons le Yum Heart en bas à droite, donc pour se régène. Je trouve que son skin est vachement beau, j'aime bien. Elle n'est pas lente du Yonf comme ça... son perso de base, mais je crois que si on fait des câlins, alors ça loot plein de cœurs, mais en fait mes cœurs vont diminuer, je crois. Attends, je vais aller ici. Ah, c'est spécial. Et en plus, les cœurs clignotent là et s'en vont très très vite. Cœur max, soigne un cœur rouge. Ouais. Attends, on peut avoir un HP up ici? Je sais pas, je... Si, si, on a des larmes, mais disons que je fais beaucoup de dégâts au corps à corps quand je marche sur les gens. Et surtout que vu que ça reloute des cœurs derrière, bah ça me régène tout de suite. Par contre, Devil Deal Angel Room avec ça. Alors, on aurait un cœur bleu pour se protéger. Et on vole. Ça, c'est bien. On vole parce qu'on a un poney. Alors, qu'est-ce qui se passe si je prends ça? Ah, il est aussi dans les cœurs bizarres. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Je l'ai dit juste avant, les cœurs qui clignotent n'enlèvent pas le Devil Deal. D'accord. Donc, ok. Par contre, les cœurs rouges, regardez, là, ils baissent tout doucement, mais mon cœur bleu, il va baisser tout doucement aussi. Ce qui serait complètement inutile. On apprend, voilà. Écoutez, voilà. Tears up. Comment on fait en sorte qu'un cœur ne clignote plus? Eh bah, y a pas moyen. T'as que deux cœurs qui clignotent pas, tout le reste va clignoter. Je crois. En tout cas, l'achat du cœur bleu n'était pas forcément très utile. Puisque tout le reste agit un petit peu comme un cœur bleu au niveau des chances. Dévoile toute la carte.
merde. Très bien. Après, on a 33% de chance d'obtenir un... Ok. Je sais pas si je fais les bons plans. Bon, comme souvent, j'aime bien commencer par Méga Satan, parce que... C'est chiant, quoi, Méga Satan. Tiens, tiens, tiens. J'ai pas les sous, hein, de toute façon, donc je sais pas pourquoi je m'excite. J'ai les sous. Excitons-nous. Le problème, c'est qu'on est à l'étage 2, quoi, et que j'ai bien envie de garder mon... J'ai bien envie de garder mon cheval qui vole, quoi. J'ai pas envie de l'emmener là-bas. Tu sais quoi? Ah oui, bah ça, c'est pas smart, hein. On va sortir. Je sors. Ça, c'est pas smart, hein. Venez donc, mon petit Séraphin, venez, venez. Ah oh, mais non. Lock up. Voilà. Ce bruit. Hier boulette au taf, j'ai fermé, sauf que j'avais oublié un truc, donc retour à 21h au magasin. Merci. Oui, attends, 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 je cherche. Je chérirai cette anecdote jusqu'à ma mort. En tout cas, assez rude, quand même. Gulp. Si on se fait toucher, on aura des pièces. Allez, on se dépêche, j'aimerais une clé, s'il vous plaît, une clé, non, pas de clé, vous avez une clé, s'il vous plaît, une clé, non, pas de clé. Bon, on va jouer, comment ça s'appelle, là, l'autre, là. Juno. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ah. Planéto, oui, c'est ça, planétarium. Ça m'a fait un peu peur. Oh God, l'erreur.
Bonjour. Ah, il faut pas que j'hésite à attaquer comme ça là, j'avais oublié. Une clé! Daddy! El famoso. Oh, le diplo. On va diploper, c'est sûr. Je vais diploper chez... chez Satan. Vous allez voir. Vous allez voir ce que vous allez voir, ce que vous allez voir, ce que vous allez voir. Non. C'est non. Oh merde, le caca par terre. À moins que... À moins qu'un double Meat Boy comme ça. Je fonce. Où suis-je? Y'a pas de planéto. C'est marrant, hein. Révèle l'entièreté de l'étage. T'arrives un peu tard, toi. Ah oui, mais tous les heals sont doublés, c'est pour ça que je me chope deux cœurs à chaque fois. Yeah, on aime bien ça. On aime bien les larmes aléatoires. Faudrait des petits ennemis pour bien régène. Oh, chiant.
Ouf. Est-ce qu'on a envie de faire une pilule golden? Est-ce qu'on veut vraiment faire ça? Oh, j'ai plus de bombes, merde. Merde, je voulais rentrer là-dedans, moi. Oh non, mon cœur noir qui a enlevé tous les cœurs. C'est chaud. Ah. Non, ne prends pas des dégâts nuls. Alors on a une boule noire. Le boss, j'ai même pas compris ce que c'était. Je n'ai même pas compris ce que c'était. Oh, Curse of the Blind. Oh, bon, laisse tomber. Oh. Le cœur blanc va se bouffer! Trinket là, remplace tous les nouveaux coffres par des coffres verrouillés. Une pilule! Secours. Tiens, tiens, tiens. Ah, c'est toi! Eh ben, merci beaucoup. Deck of cards, pied de môme. Et concernant mon planétarium, non, pas envie. Apparemment non. Ok, ok. Ça va être chaud quand même, hein. Enfin là, je partais un petit peu en mode boss rush et compagnie. Thank you.
En plus, j'aurais pas dû l'utiliser là, mais bon. À mon avis, sur le boss rush, ça va être compliqué, hein. On va tomber à deux cœurs, je vais me faire toucher, je vais mourir. Super, merci le ralenti. Merci beaucoup, boss de marde. Tu pourrais arrêter de me ralentir? Ça va, il loot des cœurs quand je les tue. Qui est en vie? Ah. Il s'est fait rect! Ce petit bruit, c'est vrai que c'est drôle. Oh, pardon. Non, mais c'est chiant. Oh, y a une grosse pilule! Non, y a pas une grosse pilule? J'ai cru voir une grosse pilule. J'ai rêvé. C'est le bordel, hein. C'est quand même un peu le bordel. On va pas se le cacher. Monsieur, arrêtez de courir, vous allez mourir. Toujours croc rouge. C'est la dernière vague là, c'est la dernière. Il y a 15 vagues de boss. C'est bon. Deck of cards? Mais c'est pas ce qu'il y avait dans l'item room.
Magician. C'est bien ça. Nous avons une marque sur ce post-it. Il y a combien de boss? Il y a 30 boss. 2 x 15. Ah, mon petit cœur. Il y avait une rune. Il y a encore une rune. Ça va paraître une trappe. On a quand même envie d'avoir l'objet sur le boss. Enfin, peut-être. Au moins, c'est ça de fait. Ouais. Franchement, tout ce qui est boss rush et hush, là, ça me gonfle. Alors, je vous dis pas qu'on va faire hush, mais... Les trucs où il faut se presser... Chiant quoi. Ah, c'est pas des pilules que je vois, c'est mes larmes qui sont... Je croyais avoir des pilules, moi. Non, les planétos ont pas voulu apparaître, hein. Pêche parce que mes cœurs sont en train de descendre. Oh, ça me saoule ça. The Moon. Ça commence. Ah mais j'ai plus de cœur qui se régène. Ah ça c'est le mauvais plan. C'est le mauvais plan. J'aurais dû garder un cœur qui se régène sur le, pour le boss. En prenant la robe cérémoniale là, je crois que c'était ça le nom.
J'ai perdu tous mes cœurs qui se régènent. C'est con parce que du coup avoir plein de cœurs rouges là ça aurait été bien. Qu'est-ce que je fous là ? Je ne sais pas. Saul of Magdalene! Nice! Ça c'est nice, hein. Ça c'est fait, on n'en parle plus des trucs pour aller vite avec ce perso, c'est... C'est dégagé. Oh, il y a Yera là. Bon, j'ai pas de vie quoi. Même si on meurt, c'est cool. Je suis content quand même. Pour une deuxième run, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? En fait, c'est ça, il faut que tu fasses des pauses de 5 jours avant de reprendre. Ah, bon Dieu, là, c'est reparti. Oh, j'ai plus de régène, donnez-moi un HP up au moins. En tout cas, le perso est marrant. Hein. Si on pouvait faire méga Satan, on serait pépouce pour le reste. Ça paraît quand même chaud avec deux cœurs, mais... On a vécu des choses plus compliquées. On mourra heureux si on meurt, c'est ça. C'était déjà ouvert. Je vais trop vite et je meurs. Le feu ça brûle, sachez-le. Faut que je recharge mon item avant d'entrer.
Finalement, ce qui nous a peut-être vraiment sauvé la run, enfin bref, nous a beaucoup aidé, c'est le vol. Le vol, c'était quand même le bon plan. Bon, est-ce qu'on va réussir Isaac. Blue baby. Allez, donnez-moi un truc là dans ces coffres. Il faut que vous me remettiez bien là. Non. J'ai plus de clés. C'est ça que tu veux, c'est ça. C'est tout ce que tu m'offres. Toi. Lui, il va me faire un HP up. Oh, salaud. Si on trouve une clé, on la hiera. Pas le HP up que j'attendais. Ah, salut toi. J'ai pas de clé. Lucky Penny. Ah oh, bah ça c'est bien. Ah ah. Ah ah. Allez, sois bon. The moon. Soyez bon. Soyez quelqu'un de bon. Allez là, justice. Justice. Putain pute. Je sens la map, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est un HP up. Quel plaisir. Encore un familier. On veut des jolies mouches. On va peut-être finir l'étage avant de donner toutes nos pièces, parce que ça se trouve, on aura un autre marchand. Mama Magda, et ses gros câlins. Ah, elle est clairement cool, hein. Allez, lui, il peut nous donner du HP up si on le tue en dernier. Allez, donne-nous le cœur, le cœur, le cœur, le cœur, le cœur, le cœur, c'est tout de suite le cœur, c'est pour toi. C'est non. The Sun.
Sinon, vous me donneriez des petits objets? J'attends la fin de la run pour partir du taf. Ah, je me dépêche. Je rush. Oh, lui, là. Lui, c'est le HP up. Oh, c'est le HP up qu'on attend. Allez, donne-nous le cœur. Toujours pas, hein. Bon, bah. Apparemment, le bonheur, c'est que pour les autres. Oh, Soul of Magdalene, ça fait quoi? Entoure Isaac d'une aura rouge pour la salle actuelle. Les ennemis tués font tomber des demi-cœurs rouges qui disparaissent. Ouais, donc c'est pas forcément très utile pour Magdalene. Oh. Et là, Delirium. Ah ! Écoutez, oui, si Delirium est là... No more caca ! Merci Sakrari pour ton 14e mois. Bon bah on est mort heureux. J'ai même pas vu ce qui s'est passé. C'est à cause de mes cœurs pourris ça. C'est de la merde. Faut pas les prendre. Bon bah écoutez. Hein. On aura quand même fait Boss Rush et Hush. Ce qui est une très bonne chose. On aura plus à se dépêcher. Dommage pour Blue Baby. Mega Satan et Delirium, on n'en parle pas, mais je veux dire, Blue Baby aurait été sympa pour pas se refaire la route. On aurait pu directement passer en bas, chez Satan. Un cœur moisi égale un demi-cœur rouge de dégâts, tu avais juste deux cœurs pourris. Ouais, je pensais que... Je me suis fait eu. Franchement, c'est pas grave. Non, franchement... C'est pas grave du tout. On avait ce qu'il fallait pour possiblement se faire un méga Satan. Ça manquait quand même de HP up hein, pour se régénérer en cas de besoin, comme par exemple ici. Mais boss rush et Hush, franchement, plus besoin de te presser. Quand on la reprend, on peut optimiser. Voilà. Sur ce YouTube, j'espère que tu as apprécié ce perso. Je l'aime bien. Surtout en début de partie, tu peux aller vite, tu peux... bazarder les petits ennemis, faire les premiers étages assez vite, ça c'est cool. Possiblement du coup entrer en boss rush pour obtenir un item en plus et se casser derrière. Donc très bien, on continuera un petit peu avec elle je pense, plus souvent. Des bisous YouTube, bye bye.